Et je me dis que c'est peut-être vous qui êtes dans cette maison pour protéger cet enfant, peut-être, comme une forme d'ange gardien. Est-ce vous ? Voilà les amis, j'ai fait une petite pause, 5-10 minutes, là, histoire de boire un coup, de me poser un peu. Donc on va reprendre. Et alors, quand j'étais dehors, parce que je suis allé sur une petite terrasse, je suis allé dehors, j'ai entendu quelques petits bruits. Alors je sais pas si ça venait de là, enfin j'ai pas trop su exactement. Donc est-ce que... Là j'étais dehors, hein, prendre un peu l'air... Voilà, 5 minutes. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ou est-ce que vous êtes maintenant avec moi? Peut-être qu'il n'y avait personne, peut-être que voilà. Je pose toutes ces questions, c'est pas pour vous embêter. Hein. Encore une fois, c'est vraiment parce que je cherche des réponses. J'ai beaucoup de questions. Et si nous pouvions... je sais pas, établir un contact quelconque. Cela me ferait grandement plaisir et je serais peut-être à même de vous aider. Je demande pas mieux. Peut-être que c'est pas prétentieux ce que je vais dire, mais j'espère en tout cas que je pourrai un jour, peut-être ce soir, aider quelqu'un qui nous a quittés à, je sais pas, à avancer. Peut-être avez-vous besoin de force, de compréhension. Et je suis là aussi pour ça ce soir. Vraiment, c'est un des rares endroits où il ne s'est pas, mais pas du tout manifesté, genre vraiment rien. Je vais quand même le tester avec. J'ai une grosse lampe, vous le savez, qui fait des ondes. Ah, ça, il fonctionne, hein, tout fonctionne parfaitement. Encore une fois, le laisser allumer, je verrai bien. C'est vous ? Je vois quelque chose passer, ce que nous, nous appelons des orbes, si tant est que c'en est une. Hein. Je n'ai pas la science infuse, encore une fois, mais... On dit que quand il y a ce type de manifestation, c'est que quelqu'un est avec nous. Et peut-être que ce quelqu'un, peut-être que je vais réessayer, mais peut-être que Claude François, vous êtes là avec moi et que vous essayez peut-être de me parler, de rentrer en contact.
Peut-être avez-vous besoin d'énergie. On dit souvent que pour communiquer, je sais pas du tout, un sexe, ça fait plusieurs. Alors que à la lumière, moi j'ai rien. Si j'éclaire, il n'y a rien. Pardonnez-moi. Donc si je disais, si vous avez besoin d'énergie, n'hésitez pas à en puiser, que ce soit en moi, dans mes appareils. C'est... Il y a un bruit en haut. Cette énergie-là peut peut-être vous aider. J'ai d'énormes frissons. Donc si c'est le cas, je n'y vois aucune obstruction. Vous pouvez prendre de l'énergie. De l'énergie, pardon, en moi, un peu, et sur mes appareils. Sur mes appareils, vous pouvez prendre toute l'énergie dont vous avez besoin. Si ça peut vous permettre, d'énormes frissons, si ça peut vous permettre de vous manifester, sur ma caméra encore cette fois-ci, pardonnez-moi, hein, je me coupe souvent, mais c'est... voilà, j'essaie de comprendre. Donc, si ça vous permet de vous manifester, allez-y, hein, ne vous gênez surtout pas. Et peut-être que nous pourrions établir un contact plus franc, plus direct. Et, encore une fois, je me répète, hein, mais si je peux vous aider, j'aurai tout gagné ce soir. Je vais refaire un petit tour vite fait en haut parce qu'il y a quand même eu du bruit, donc je vais quand même voir, et après j'irai, comme je disais tout à l'heure, me mettre sur le canapé, essayer de m'apaiser 5 minutes, vous voyez, de respirer, de peut-être ça aidera, je ne sais pas. Ouh, la grande marche. Pardonnez-moi si vous me sentez un peu insistant. Mais c'est vrai que voilà, je suis venu pour ça ce soir. Je suis venu pour possiblement rentrer en contact avec quelqu'un qui serait décédé. Et ça me tient à cœur. Genre ma main clignote. D'ailleurs aussi à l'entrée de cette chambre, elle clignotait. Peut-être le hasard. Attendez, je remets ça. Peut-être le hasard, je ne sais pas. C'est peut-être vous qui essayez, encore une fois peut-être. Allez-y, n'hésitez pas. Prenez dans ma lampe, dans mes appareils, n'hésitez pas. Puisque j'y suis, les amis, ce que je vais faire, je vais prendre des photos. Chose que j'ai jamais réellement essayé. On sait jamais, des fois les photos peuvent peut-être donner de bons résultats, je ne sais pas.
je suis pas trop fan parce que les appareils photo, les téléphones sont pas très performants et pas très fiables à mon avis. Là vous l'avez entendu je pense dans la chambre. C'est vous qui venez de faire ce bruit ? Juste ici, dans le coin où j'étais tout à l'heure. C'est fou, je comprends pas. La caméra qui va tomber, super. En bas encore, il y a eu encore un bruit. Je comprends pas pourquoi il y a des bruits en bas. Mais que quand je suis en haut. Je prends quelques photos, je verrai bien. C'est jamais. Je viens de prendre une photo. Et il y a eu des choses qui sont passées devant, alors je sais pas. Le cadre, vraiment, rien. Mais vraiment, il se déclenche pas du tout, quoi. Bon, je vais venir avec vous, espérant que vous soyez là, en bas, dans le canapé. Essayez de... Je sais pas, c'est pas de l'apaisement, c'est je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que ça peut aider à une communication de rentrer dans une autre phase. Il reconnaît quelqu'un en face de moi. Pardon, je parle doucement, je sais pas pourquoi, mais donc il reconnaît quelqu'un ici, juste là, il reconnaît quelqu'un. Comme tout à l'heure. Vous êtes là en face de moi ? Il arrête pas, il reconnaît. Il fait que ça. Peut-être soumet un peu pour voir. Oh, j'ai un. Ah, il y a un putain de souffle. Alors, je vais juste vérifier, normalement c'est pas la clim parce que. Eh ben non. Elle est éteinte la clim. Elle souffle pas. Elle souffle pas du tout la clim. Je vérifie quand même parce que des fois le son n'entend pas bien. Mais j'ai eu un courant, un souffle. Comme si on me soufflait dans le cou. Et j'ai des putains de frissons. Et là il détecte quelqu'un. Donc je. Toujours. J'ai des frissons. C'est fou. Hein. Donc. Est-ce qu'il y a quelqu'un en face de moi actuellement ? Trois fois il vient de détecter quelqu'un. Là au moment où j'ai posé la question. Si c'est le cas, hein, toujours, je l'espère, mais n'hésitez pas soit à faire tomber la petite balle qui est ici, si vous y arrivez, soit à déclencher mon appareil qui est ici, donc qui ne fera que des lumières, ou écrire là-dessus, ou... je ne sais pas comment vous pourriez faire ça. Mais n'hésitez pas, vraiment. Oui, là, la clim, je ne sais pas si vous l'avez entendu, elle vient de se déclencher. Et je vais voir... J'ai pas un seul pet de vent dans le dos, je vous jure. Ni dans le cou, ni rien. Mais t'as, je sentis comme... Vraiment, on me soufflait dessus, quoi. Essayer de se concentrer et d'ouvrir un peu de nos sens et de peut-être avoir quelque chose de plus spirituel. Je vais donc m'apaiser 5 minutes, fermer les yeux et si vous voulez en profiter pour que ce soit vous manifester, prendre de l'énergie. Alors, je sais pas si ça vient de devant, mais j'ai vu un flash dans l'escalier.
au moment où je tourne ma tête, j'ai vu une lumière. Brièvement, un truc comme ça. Genre ça. Là. Je sais pas, ça peut être dehors, mais j'ai pas besoin d'une voiture. Je sais pas. Je verrai bien, c'est pas grave. Pardonnez-moi, donc je vais m'apaiser 5 minutes. Vraiment. C'est vraiment pour essayer de m'apaiser. Et de me centrer davantage sur la maison. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à vous manifester. Ce serait avec grand plaisir. Ça peut paraître bizarre, mais ça... Ça... Je sais pas, ça apaise. De l'enfant, la chambre du bébé. Je pense que ça peut être une bonne chose. Pourquoi, je sais pas, d'un coup j'ai envie d'y aller. On prend mes affaires et je vais faire un tour là-bas. Ah, il y a un bruit en haut. Je remonte, en espérant que vous soyez là-haut.
c'était moi. Bon, cette peluche, vous voyez, elle ne s'est pas déclenchée de la nuit. Rien du tout pour l'instant. Ça, je ne pense pas non plus. En tout cas, le pote, je ne l'ai pas entendu. Les boules, je verrai sur la caméra. Ça, ça n'a pas bougé non plus. Non, impeccable. Tout est droit. Y a-t-il quelqu'un ? Du coup, dans cette chambre maintenant, j'ai eu quand même pas mal de ressentis là depuis que je suis là. Plutôt bon, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Et je me dis que s'il y a quelqu'un dans cette maison, n'est pas là pour faire du mal, mais vraiment pour... une forme de protection, une forme, en tout cas, c'est de la bienveillance. N'est pas, je le ressens comme ça. Après, ai-je raison, je ne sais pas. Mais vous pouvez me le confirmer, par contre. Si vous le souhaitez, faites maintenant un petit bruit, un petit, manifestez-vous comme vous le sentez, comme vous le pouvez surtout, histoire que je comprenne que je suis dans le vrai. Cette chambre m'attire, je ne sais pas pourquoi. Allez savoir pourquoi. Allez-y, hein. Vraiment, je ne vous ferai rien. Au contraire, si on peut s'entraider, vous ne croyez pas que c'est la bonne solution ? C'est bon, très calme. Là, maintenant, d'un coup, c'est très, très calme. Le même bruit que tout à l'heure dans la chambre. Je sais pas ce que c'est, un petit bruit. Désolé. Il y a un petit truc, un petit toc, mais c'est très léger. Toujours dans la chambre et toujours au même endroit.
toujours ici, dans le coin. C'est vous qui vous manifestez ? Vérifier qu'il y a assez de batterie dans votre caméra parce que, à mon avis, elle est bientôt morte. Ouais, non, ça va pour l'instant. Bon, je vais redescendre encore une fois. Hein. Mais bon, c'est peut-être dehors. K2, mais j'arrivais pas là. Ma caméra est en train de se barrer. Et K2 est tombé de ma poche. Je sais pas comment, mais il est tombé. Désolé. Y a-t-il toujours quelqu'un avec moi? Dans un insecte quand même. Mais un truc qui me chagrine un peu quand même, c'est que ici, donc là-bas, ça va pas faire le focus mais c'est pas grave, là-bas, quand j'étais ici, pile poil, hein, sur la même marche, tout pareil, au même endroit, je suis pareil, bref. Il détectait donc visage ou corps, je sais pas trop, il détectait quelqu'un, pardon, et il y avait plein de trucs voilà, qui passaient devant la caméra. Et là, ça le fait pas. Donc, ça me chagrine un peu parce que si c'est redondant et que c'est toujours à la même place, au même moment, au même endroit, on peut toujours essayer de rationaliser la chose. Mais là, ça se passe pas. Et quand j'étais dans le canapé, au même endroit, là-bas, sous la télé, il détectait un visage. Ou quelqu'un, en tout cas. Et je suis en train de me poser la question, on va aller voir de suite. Je me pose la question, on va aller voir, je sais déjà, mais là-bas, il y a deux cadres. Il y en a au moins, alors je sais pas le deuxième, il y en a au moins, je sais que c'est le bébé. Oui, peut-être que ça a un rapport. Il détecte un visage, une personne ici, au-dessus des cadres. Peut-être qu'il y a un rapport, je ne sais pas. J'essaie de comprendre. Est-ce le cas? Est-ce que vous êtes près de cette photo qui est donc le bébé qui vit dans cette maison? Peut-être notamment pour le protéger cet enfant. Désolé les amis, je vais faire un test. Hein. Je vais me remettre dans le canapé au même endroit. Voir si il détecte encore un visage ou quelque chose. Je suis exactement au même endroit. Je peux pas faire mieux. Il détecte quelque chose. Ok, il détecte quelqu'un au-dessus des photos. Et si je zoome, on va essayer de comprendre. Là, il détecte plus personne. Là, il détecte. On zoome un peu.
C'est vous que ma caméra détecte. Il redétecte. Donc, ça voudrait dire que il y a quelqu'un devant moi, tout simplement. C'est pas gênant, hein. Mais est-ce que c'est bien ça? Il détecte à chaque fois que je monte. Encore. Si c'est ça, comment on pourrait faire? Est-ce que si mon appareil détecte, on va dire, quand je vous le demande, il détecte, il ne bouge plus. Ça y est, ça a arrêté. Donc on va dire que c'est ça. Je vais vous demander. Et si à ce moment-là, mon appareil détecte, on va faire plusieurs essais, si ça ne vous dérange pas, ça voudra dire que c'est bien le cas, que c'est bien vous qui êtes en face de moi, quelqu'un. Donc est-ce que il y a... Ça le détecte avant même que... Est-ce qu'il y a quelqu'un en face de moi? Si oui, il faudrait que ça puisse le détecter maintenant. Là, il détecte rien. C'est bizarre quand même. Je vais insister encore sur ce prénom, mais est-ce que c'est... Pour moi, quelque chose qui pourrait être vraiment... Je cherchais, pardon. Pour moi, quelque chose qui pourrait être vraiment évident, c'est que ce serait ce monsieur qui serait là. Claude, est-ce que c'est vous qui êtes là avec moi? Ça détecte, mais... Alors, est-ce que c'est pas cette tâche-là, vous voyez? Là, on pourrait croire que c'est un visage ici. Mais ma caméra le détecte de là à là. Il ne détecte pas que ça, quoi. Sinon, ça serait un petit carré. Là, c'est un grand carré. Comme si c'était quelqu'un. Voilà, là, il le fait encore. Est-ce que si je mets la bouteille... Il détecte vraiment que là, c'est... Je ne sais pas. Il y a un truc avec ce mur. Je ne sais pas quoi. Après, vous ne voulez peut-être pas vous manifester, ou peut-être que je vous dérange, simplement. Mais encore une fois, bon, je ne suis pas là pour ça, pour vous déranger, ça c'est certain. Mais il faudrait que vous puissiez me le faire savoir. Si par exemple je vous dérange, disons, faites un bruit maintenant, ou éteignez une bougie par exemple, vous voyez, les bougies qui sont en face de moi, ou quelque chose comme ça, que vous êtes capable de faire. Je vais prendre ça donc pour une réponse, hein, pour... Donc je ne vous dérange pas, il semblerait. Tant mieux, moi ça me convient. Et oui, depuis tout à l'heure, il n'a pas détecté une seule fois un visage. Ou un corps, là, c'était quelqu'un. Donc c'est assez aléatoire, c'est assez... Je ne sais pas comment l'interpréter, ouais, j'essaye de... Voilà, il le redécouvre encore. J'essaye de comprendre. Là encore... Je sais pas. Et ce qui est assez bizarre, c'est que quand je bouge la caméra, donc généralement il détecte un carré. Donc quand c'est un carré, en fait, je vous explique. Genre s'il y avait un visage là, si on voit ça, on pourrait penser que c'est un visage, il ferait un petit carré autour du visage. Là, il fait un carré à peu près de la taille de la télé, un peu plus petit que la télé, et grand comme ça. Et là, quand je bougeais, au lieu de le détecter au même endroit, ce qui serait logique, genre quand j'étais là, il l'a détecté en haut. Et là, il a détecté en bas, donc il suit ma caméra. Vous voyez, c'est assez... je vais vous dire, quand même. Est-ce qu'il détecte encore? Voilà. Là, il vient de le détecter, ben voilà, encore une fois, à peu près là. Là et là. Donc, c'est jamais au même endroit. C'est ça, là, c'est en bas. Ça qui m'intrigue, c'est que c'est pas au même endroit, il détecte quelqu'un. Je sais pas. Mais c'est qu'à cet endroit. Il a détecté personne nulle part ailleurs. Alors qu'il n'y a rien de... Je veux dire, ici, il n'y a rien de particulier. Hein. C'est une télévision, il y a juste ces cadres, effectivement.
Est-ce que c'est le hasard? Ça, malheureusement, je ne le saurais pas. Et il y a encore des affaires de la petite, peut-être que ça vous parle et que vous êtes plus à même d'essayer de rentrer en contact avec moi ici. Vous voyez, là, par exemple, on pourrait se dire qu'il était un visage, ça serait logique. Il n'y a peut-être rien. Rien du tout. Je ne sais pas. Ah, au moment où je fais ça, putain, j'allais prendre mon téléphone pour prendre une photo, justement, de plus près de la télé, tout ça. Il a détecté quelqu'un encore, ici, devant moi. C'est vous qui êtes devant moi, actuellement, près de la porte, devant la porte, peut-être derrière la porte. J'essaie encore de prendre des photos, vous savez, des fois, je verrai bien ce que ça donne. Que c'est mis à clignoter là. Je sais pas pourquoi. Ah oui, ça qu'on me disait, on me disait que cette peluche, en fait, on a l'impression qu'elle vous suit du regard, vous savez. C'est vrai, je viens de voir ça. Je sais pas si vous le verrez. Ça c'est moi, pardon. Je sais pas si vous le verrez bien, mais on a l'impression qu'elle vous regarde. Ah, j'avoue, c'est pas terrible ça par contre. Sérieux, je comprends pas vraiment. Y a quelqu'un qui essaie de jouer avec moi ce soir?
bruit en bas. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas tous ces bruits qu'il y a. C'est systématiquement quand je suis en haut, quoi. Et quand je suis en bas, je les entends pas, ces bruits. C'est pour ça que ça me... Je sais pas quoi faire, du coup. Si je descends, il va rien avoir. Si je reste en haut, il y a du bruit en bas. C'est moi, pardon. Peut-être c'est un jeu pour vous. Dans ce cas-là, moi je n'y vois aucun inconvénient. Jouons ensemble. Vous voulez jouer avec moi ? J'ai l'impression que c'est un jeu, vraiment, je fais que descendre et monter depuis tout à l'heure. C'est ce que je suis en train de me dire, en fait, c'est un jeu, quoi. Hop là, détection, encore une fois, au même endroit. Ça recommence. Et vous voyez, détection, il y a plein de petits trucs qui passent devant, je sais pas. C'est vous encore ? Peut-être vous remontez quand je suis en bas, c'est ça. Et vous faites comme un cache-cache. Je vais éteindre le K2 parce qu'il fait un peu de lumière. Ça n'est pas branché de lumière lui ce soir, c'est impressionnant. En haut. Oui, moi je veux bien à un moment donné, hein. Mais quand je suis en bas c'est en haut, quand je suis en haut c'est en bas. Ça c'est dehors, ça c'est dehors. Quand je suis en bas c'est en haut, quand je suis en haut c'est en bas. Et si je remonte là, est-ce que vous êtes capable de faire un bruit en bas? Comme un jeu. On essaye? Allez. Je remonte. Et allez-y, amusez-vous en bas. Putain, j'ai un Mickey qui me regarde là. Il y a un œil qui brille, mais je sais pas. Je sais pas si vous verrez. Ouais, on le voit, l'œil qui brille là. Son œil à gauche, enfin à ma gauche et à sa droite. Du coup, moi, je le vois dans le noir, c'est pas terrible. On va se mettre là, on va voir. Allez-y, hein! Très calme.
gens, c'est dehors. Il va y avoir des voisins qui sont sur leur terrasse, je sais pas quoi, dehors. C'est normal. Et je m'assois dans l'escalier. Les petits pocs en bas, mais je sais pas ce que c'est. C'est plus léger que tout à l'heure. Bon, ben peut-être que vous en avez fini avec moi. Que vous en avez peut-être marre. Peut-être que. Voilà, vous avez peut-être vos raisons. Mais si tel est le cas, je ne vais pas vous déranger plus longtemps de toute façon. Mais j'aurais aimé. Tiens, bon, on va encore, c'est trop léger. J'aurais aimé, pardon, que. Peut-être un petit signe en guise d'adieu. Ou de revoir d'ailleurs. Je sais pas ce que c'est ça. Ça fait tuc 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 sur mes appareils, je sais pas. C'est peut-être vous. Ça serait très aimable. Si, mais toujours au même endroit. J'arrive pas à comprendre. Toujours au même endroit, il y a un petit. C'est moi, pardon. Un petit toc. Toujours au même endroit dans la chambre. Je sais pas pourquoi. Près de la table de nuit. Bon, je vais redescendre en espérant que vous soyez là en bas avec moi. Et puis après, si vraiment il n'y a pas de manifestation, plus de manifestation, je vous laisserai tranquille, simplement. Autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que les habitants donc ont aperçu, alors qu'ils sont deux plus l'enfant à vivre dans la maison, hein. Ils étaient dehors tous les deux. Alors je sais pas si c'était en rentrant chez eux ou ils étaient en rentrant chez eux sûrement parce qu'ils ont vu à la fenêtre. Donc là ici dehors il y a une toute petite cour et là-haut il y a les fenêtres, donc la chambre de l'enfant qui est ici, la chambre des parents qui est ici. Et ils ont vu, ils sont deux. À avoir vu à la fenêtre de leur enfant une silhouette.
une silhouette humaine, hein, une silhouette. Donc ça, voilà, c'est encore un phénomène à rajouter à la liste qui est très longue. Donc ça, c'est assez intriguant déjà. Et avant chaque, enfin pas avant chaque, mais souvent avant les manifestations, que ce soit des bruits ou autres, ils ressentent ce que j'ai senti tout à l'heure dans le canapé, un courant d'air froid, dans la nuque, ou je sais pas où, d'ailleurs moi c'était dans la nuque, un courant d'air froid avant une manifestation. Donc je sais pas, peut-être... peut-être le hasard me concernant, je ne sais pas. Bon, je pense que je vais pas vous embêter plus longtemps. Si tant est que je vous embête, je ne pense pas, mais parfois on ne connaît pas hein, à qui on a affaire. Et si l'envie vous prend, moi je suis encore là quelques temps histoire de ranger mes affaires, hein, mais n'hésitez pas, je suis toujours présent tant que je ne suis pas parti. Ah, c'est le frigo. Et en tout cas, si manifestation il y a eu ce soir, alors, bon les amis, je vais tout à fait franc avec vous, moi ce que je ressens, je sens quelque chose, réellement je sens quelque chose dans cette maison, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sens quelque chose. En haut. Mais ce qui m'embête, c'est qu'à chaque fois que j'étais en haut, il y avait des bruits en bas. Et tout à l'heure, dans cet escalier, là-haut, alors c'est compliqué à interpréter parce que j'ai cette lumière dans la tête. Je regarde par travers un petit écran. Devant moi, c'est tout noir. Et quand j'ai fait ça, donc les seuls éclairages que j'ai, à la rigueur, ma lampe comme ça, là, si elle est éclairée, je ne sais plus, je crois qu'elle est éclairée vers le sol, et cette rouge qui... Tu vois, enfin, c'est compliqué, mais moi, j'ai, franchement, pour moi, ça m'a fait froid dans le dos, j'ai cru voir une silhouette là-haut. Après, je sais pas, mais c'était, pour moi, il n'y a rien de... Non, franchement, ça va. Je trouve que ça va, cette maison, ça va. Il n'y a pas de choses trop étranges dans le sens négatif, dans le sens... Waouh, faut pas habiter là, quoi. Non, franchement, c'est apaisant. C'est apaisant, c'est calme. Des petits trucs, voilà, qui... je vais... De toute façon, l'avantage que j'ai, effectivement, c'est comme je filme tout, notamment en haut, la caméra, elle tourne depuis bien avant. Je l'ai mis en route vraiment il y a longtemps. Genre de nombreuses heures à des rochers. Je vais pouvoir, je l'espère en tout cas, avoir des manifestations, entendre peut-être plus de choses. Vous savez qu'avec les caméras, on entend et on perçoit des sons qu'on ne perçoit pas nous à l'oreille, comme ça, quand on est dans une pièce. Donc, toujours pareil. Mais, pour moi, si je devais donner mon ressenti comme ça, à chaud, parce que je suis en plein dedans, pour moi, il y a quelqu'un ici. Très clairement, il y a quelqu'un ici. Mais, ce n'est en aucun cas méchant. C'est soit, pour moi, il y a deux options. Soit c'est une protection, que ce soit familiale ou autre, pardon, c'est une protection, ou un amusement. Ce que j'appelle un amusement, c'est, on peut dire simplement un enfant. Voilà. Pour moi, c'est soit un enfant, un amusement, quelque chose comme ça, soit quelqu'un de la famille ou autre, toujours, je sais pas, mais qui n'est pas là pour faire fuir les gens, qui n'est pas là pour faire du mal, qui est là pour protéger, se faire pardonner, je sais pas trop, c'est ce que je ressens, voilà. Mon ressenti, à chaud, quand je verrai les images, ben, je me ferai peut-être une autre opinion, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, c'est ce que je ressens, et c'est souriant, c'est plaisant, c'est... Voilà, ce que ça m'inspire. C'est que c'est plutôt plaisant. Par contre, alors, parenthèse, là, je suis ici, il y a un parfum. Il y a un parfum. Non, c'est peut-être ça. Voilà, ok, peut-être ça. Ça sent fort. Je sais pas si c'est du parfum, ça, avis aux amateurs. J'imagine que oui. Ça doit être ça, je pense que c'est juste à côté de moi, donc je pense que c'est ça. Bref, je le disais, donc voilà, j'ai envie de dire, je m'y sens bien. Même si en pleine nuit, c'est quand même pas pareil, l'ambiance n'est pas la même, c'est toujours un peu... Mais il faut pas, voilà. Il faut pas s'affoler, et je pense que mon avis, c'est qu'il y a des entités de partout. Dans toutes les pièces, dans toutes les maisons, dans toutes les rues, dans toutes les voitures. Pour moi, on en est entouré. Après, c'est peut-être nos choix, nos décisions de vie qui font qu'ils se manifestent ou non,
qu'ils sont, j'allais dire méchants, mais c'est trop violent comme terme, mais vous comprendrez quoi, méchants ou gentils avec nous. Voilà, il y a des gens plus sensibles que d'autres, j'en suis certain, mais peut-être qu'ils sont sensibles parce qu'ils ont des choix de vie différents. Voilà, c'est tout un programme, c'est très passionnant, malheureusement peu de gens en parlent, ce qui est dommage parce que aujourd'hui le monde du paranormal est quand même assez restreint et malheureusement il est gâché par beaucoup. Il est gâché par beaucoup et nous, enfin moi personnellement non, puisque justement je m'intéresse à ça en étant acteur plutôt que spectateur, mais nous, avec un grand N, on est manipulé par ça et on ne peut croire que ce qu'on voit, et ce qu'on voit c'est à travers des gens qui malheureusement ne sont pas forcément honnêtes. C'est pas un coup de gueule, c'est un constat. Un constat que je remarque que ce soit sur les réseaux sociaux, sur des pseudo-enquêteurs, sur des gens qui se disent médium ou autre, voilà. Je critique personne dans le sens où tout existe pour moi, mais faites attention à vous, il y a beaucoup de charlatans, beaucoup de personnes qui veulent vous faire croire que si, que là, alors que non, voilà. C'était mon, je sais pas pourquoi, d'un coup je me suis sorti ça, peut-être le lieu qui s'y prête, mais voilà. Pour en revenir au lieu, je remercie toute personne, entité, âme, défunt, peu importe le nom, qui était peut-être présent avec moi ce soir. Ce fut un plaisir. J'espère partager. J'espère que j'aurai à travers mes caméras des réponses. Parce que je suis quand même venu pour ça, pour avoir des réponses à des questions qu'on se pose tous. Si tel est le cas, tant mieux. Si j'en ai pas, ce n'est pas grave. Bien évidemment, je vous en voudrais pas, ça c'est une évidence. Mais voilà, je vais m'en aller. Comme je dis souvent, je rentre chez moi. Restez chez vous, en aucun cas il ne faut me suivre, ce qui me semble évident. Je ne suis pas là pour être méchant, ne le soyez pas avec moi, tout simplement. C'est un peu ma phrase de la fin. Voilà, je vous remercie à tous, si tant est qu'il y en avait plusieurs, mais c'était mon impression. Et je vais vous laisser tranquille, je reste encore un peu histoire de débarrasser mes affaires, et après je vous laisserai tranquille. Et surtout soyez gentils avec les propriétaires, s'il vous plaît. Je sais que c'est le cas. C'est mon ressenti, je sais que il n'y a rien de méchant là-dedans. Bon les amis, voilà, on s'arrête là parce que, encore une fois, c'est mon ressenti. Pour moi, j'ai fait le tour. J'ai pas plus de questions à poser, plus de choses à tenter, ça ne sert à rien. Voilà, moi j'estime avoir fait ce que j'avais envie de faire, tout simplement, c'est essentiel. Les amis, à très bientôt et on se parle sur les réseaux sociaux, de partout où vous voulez. Je suis présent. Salut les amis.